Du sol, je veux dire. Du sol, oui. Sol. Bon, on joue sur un sol. Oui. Des cours avec Dominique depuis maintenant 3 ans. Et ben moi, je suis un étudiant heureux parce que j'apprends beaucoup de choses et j'ai appris les techniques de l'orgue, j'apprends la technique du pédalier. C'est rigoureux, c'est quelquefois difficile, mais à force de travail et de ténacité, on finit par faire des progrès. Ce qu'il faut, c'est pas vouloir aller trop vite. Mais là, j'ai un bon conseil en la personne de Dominique qui me montre comment faire pour progresser et arriver petit à petit à faire des œuvres qui soient belles et intéressantes. Quand je suis arrivée ici, je savais même pas ce que c'était qu'un piano, je savais même pas à quoi servaient les touches blanches et les touches noires. Et Monsieur Chevalier, grâce à sa patience, a réussi à faire en sorte que maintenant je commence à jouer un petit peu. Et puis patience, et puis pourtant exigence. Toujours, toujours répéter, répéter, et il lâche rien. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que à la fois c'est une grande patience, une grande humanité, mais tout en étant très exigeant et en disant bon bah ça va comme ça et tout. Non, c'est vraiment les deux conjugués. C'est voilà, c'est tout ce que je peux à vous dire. Et après le et, la double croche elle tombe tout de suite. C'est un, c'est... Bah, en fait c'est un et ré deux. Ça il faut entendre. Un et ré deux et
J'ai la chance d'avoir un métier qui me passionne depuis maintenant plus de 30 ans, que ce soit dans mes différentes activités d'organiste ou l'enseignement, car c'est toujours un grand bonheur pour moi de constater les progrès et les motivations de chaque élève, quel que soit le haut niveau.